le cache pas que ce n'est pas la priorité normalement d'une entreprise que de développer la culture, hein, parce que c'est plutôt le business. Mais la rencontre avec Michel Beceto, un ami, a fait qu'on a eu d'un seul coup cette idée naturelle de voir que le château de la Buzine, qui est aussi le château de ma mère, rencontre de Pagnol, c'était d'une logique évidente. On avait une assemblée générale à positionner. C'est devenu, en 3 semaines, l'action phare de notre association de pouvoir mêler à la fois la culture et le monde de l'entreprise de cette soirée. Alors, combien de représentants d'entreprises aujourd'hui ? Aujourd'hui, à peu près 280 entreprises, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 5600 salariés pour une association qui n'a pas tout à fait 6 ans d'existence. Dans quel domaine ? Tous les domaines, c'est ça qui est merveilleux, car notre territoire est riche, la santé, le commerce, l'industrie, la PME, la grande compagnie. En vérité, un vrai bonheur pour ce territoire. Alors cette soirée, justement, rassembler les chefs d'entreprise, qu'est-ce que vous attendez après cela? Qu'est-ce que vous recherchez de fédérer? Tout à fait. En vérité, c'est ça. C'est la notion de réseau, mais dans le sens noble, d'être le plaisir d'être ensemble. Pour toute l'année, on travaille ensemble. Et bien là, ce soir, on se fait une petite pause, une petite pause culture, une petite pause régalade. Et ça, c'est un vrai bonheur que de pouvoir partager ce moment avec tous mes amis de l'année. L'invité Marie-Christine Barrault, qu'est-ce que ça vous évoque? Ah ben là, bien évidemment, plusieurs choses. Donc une opportunité, même une chance. Je ne crois pas tout à fait encore que je vais la voir tout à l'heure sur scène. Ça, c'est quand même merveilleux parce que je garde un cœur d'enfant et je vais profiter de ce moment où elle va me raconter Pagnol. Je vais entendre la musique de Cosma. Certainement, je vais avoir des émotions. Et ces émotions, c'est ça qui me fait vivre. Merci beaucoup. Il rencontra un dimanche une petite couturière brune qui s'appelait Augustine. Il la trouva si jolie qu'il l'épousa aussitôt. Je n'ai jamais su comment ils s'étaient connus, car on ne parlait pas de ces choses-là à la maison. D'autre part, je ne leur ai jamais rien demandé à ce sujet, car je n'imaginais ni leur jeunesse, ni leur enfance. Ils étaient mon père et ma mère de toute éternité et pour toujours. L'âge de mon père, c'était 25 ans de plus que moi, et ça n'a jamais changé. L'âge d'Augustine, c'était le mien. Merci infiniment, Marie-Christine Barrault, d'accepter cette interview après près de 2 heures de lecture spectacle sur La gloire de mon père de Marcel Pagnol. On est au château de ma mère à Marseille. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que l'on se trouve ce soir. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vais toujours très bien après. Bon, c'est des moments forts à partager. Et ouais. Ça nous met dans une situation, dans un sentiment et dans une sensation toujours très très forte d'être à la bonne place au bon moment. C'est ce qu'on aime faire, c'est partager avec le public. Donc on est plein de ça quand on finit un spectacle. Je vous observais pendant la lecture spectacle. Pendant les intermèdes musicaux, vous étiez très pensive. À quoi vous pensez? Pendant les intermèdes musicaux, j'écoute la musique. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais. Surtout que ce ne sont pas des intermèdes musicaux. On a vraiment construit la lecture sur la musique, puisque au fait, le point de départ, c'est à la fois le texte et la musique, mais la musique a été notre chemin pour la construction du texte. D'accord. Et cette musique, en plus, je l'apprécie énormément. Je trouve qu'elle est magnifique. Ouais. Et donc, je l'écoute. Et c'est en ça que je crois qu'elle est vraiment magnifique, parce qu'elle est toujours dans le bon sentiment par rapport à ce qui vient d'être dit, ce qui va être dit après. Elle n'est pas accolée comme ça, artificiellement. Elle est vraiment dans le récit. Donc j'écoute. Pourquoi ce texte de La gloire de mon père? Qu'est-ce qui vous relie avec... Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Moi, vous savez, je fais beaucoup de lectures. J'aime énormément les textes, et même des textes très très différents les uns des autres. Mm-hmm. Et à chaque fois là, pour le coup, on est venu me chercher. Hein. Mm-hmm. Non, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que l'année d'avant, à Allo, j'avais fait déjà une lecture de Pagnol, sans musique. J'aime énormément cet auteur, qui est un auteur à la fois populaire et d'une finesse extraordinaire, d'une poésie, et qui parle de la terre, qui parle d'une région qui est complètement nourrie de cette région et de cette relation à la nature. Et d'abord, j'ai toujours aimé, et je pense qu'aujourd'hui, c'est presque encore un message important à délivrer, de ne jamais perdre le rapport avec ce qui nous, ce qui,
ce qui est nos racines. Nos valeurs. Elle n'avait rien vu, elle n'avait rien entendu. Oui, nos valeurs. Oui, et puis les valeurs, il n'y a pas d'ailleurs que la terre, il y a aussi l'institution, son père qui est instituteur et qui croit à une sorte de morale, qui croit à l'éducation, qui croit à l'enseignement et tout. Tout ça, aujourd'hui, c'est bon à entendre. Merci Marie-Christine Barrault. Merci à vous.